collection chez No Publishing, c'est évidemment les films des Cannibales, donc qui est une collection absolument culte et appréciée de bon nombre de bisseux français, j'imagine. Alors à l'époque, c'était un peu nouveau, hein, parce que c'était des films qui avaient été souvent édités qu'en VHS, voire pas édités du tout, et souvent coupés, énormément coupés. C'est des films énormément censurés dans le monde. Notamment pour les cruautés envers les animaux ou la violence gratuite, quoi, c'est vraiment... Donc voilà, donc là, c'est des collections, la plupart n'ont pas été rééditées d'ailleurs. Ouais, c'est vrai. C'est juste New Publishing qui les a faites. Donc voilà, on va vous parler d'une dizaine de titres de films comme ça, de cannibales. Donc avant d'enchaîner, parce qu'en fait, ils se sont attaqués forcément au film de cannibale d'Umberto Lenzi, parce qu'ils en ont édité trois. Bah, il en a fait trois, en fait. Donc ces trois films de cannibale ont été édités. Donc bah, du coup, Umberto Lenzi, le premier film de cannibale, enfin, on va dire précurseur de toute cette vague-là qui est arrivée par la suite. Donc c'est Cannibalis au pays de l'exorcisme, sorti en 1972. Donc ouais, il y a beaucoup y croient que c'est Ruggero Deodato avec son Cannibal Holocaust, mais ça arrivait bien, bien après, quoi. Donc quand on regarde le film de plus près, on se rend compte que c'est un peu plus un film d'aventure qu'un pur film de cannibale. Parce que au final, les cannibales, ils apparaissent qu'au bout de, je sais pas, peut-être 45 minutes de film, quoi. Et il y a peut-être deux ou trois scènes qui les mettent en scène, quoi. C'est un film qui a sa structure scénaristique, qui est beaucoup inspiré aussi d'un film avec Richard Harris, Un homme nommé Cheval. Voilà, donc qui est sorti quelques années avant celui-ci. Et c'est vrai qu'on retrouve pas mal de scènes qui peuvent rappeler ce film-là. Sinon, au niveau du casting, il y a quand même l'introduction de deux acteurs qu'on va retrouver par la suite dans plein d'autres films de cannibales. Donc, Ivan Rassimov, donc, qui est l'acteur principal ici. Et Mémé Lai, donc voilà, souvent elle joue les rôles des autochtones. Et voilà, on la retrouve plus tard. Et quand même, on parle aussi de la fiche qui est très connue, mais je me souviens quand j'étais gamin, mes parents m'avaient emmené dans un vidéo club et ils m'avaient dit tiens, attends dans ce coin-là. Et puis ils m'avaient posté sans faire gaffe au rayon des films d'horreur. Et en fait, il y avait cette VHS avec ce crâne hein, que j'avais. J'ai mis des années à essayer de retrouver ce film que j'avais jamais vu, en fait, mais voulais le voir parce que ça m'avait un peu traumatisé rien que l'affiche, quoi. Donc, marrant. Et voilà, pour le premier film de Cannibal, on rentre pas non plus vraiment. Non, non. Par exemple, celui-ci est un peu plus gratiné, on va dire, et plus généreux en cruauté animale et en personnes qui se font manger, quoi. Donc, la secte des cannibales, ou Mangiati Bibi. Mangiati Bibi. Donc, bon, pareil, hein, toujours Umberto Lenzi. Au casting, on retrouve Robert Kerman, Jeannette Agren, Ivan Rassimov, et Mimé Lai encore, qui réapparaissent. Mel Ferrer, qui a un petit rôle. Oui, bah Mel Ferrer, qui avait un peu fin de carrière un peu bis en Italie. Ouais. Voilà, et puis en gros, tout le scénario, en fait, il s'inspire du... Enfin, comment dire, ça dénonce un peu les sectes, et ça parle un petit peu du pasteur Jim Jones qui avait créé une secte en Amérique du Sud et qui avait commandité un suicide collectif qui s'appelle Johnston Massacre, qui a donné le nom d'un groupe d'ailleurs de rock. Et donc voilà, ça s'inspire un petit peu de ça, une secte planquée au milieu de la forêt amazonienne qui empêche les gens de partir. Et en gros, on suit une fille qui veut récupérer sa sœur qui a été embrigatée dedans, quoi. Ouais, mais c'est, tous ces films-là ont un peu inspiré aussi le Green Inferno de Eli Roth aussi. Hein, Donc voilà, dans celui-là, il y a pas mal de stock shots, notamment de Cannibalis, je crois qu'il reprend des scènes de Cannibalis, notamment c'est sur les stock shots de cruauté animale, en fait. Et aussi quelques scènes du dernier monde cannibale, de Ruggero Deodato, qu'on parlera un peu plus tard. Mais c'est un bon film, celui-là, franchement, il est sympa. Ouais, bon film d'aventure qui passe bien, c'est sympa. Ouais. Là, on va vous parler d'un film qu'on a passé dans cette salle. Ouais. Donc voilà. Donc Cannibal Ferox, je pense, c'est peut-être au final son plus connu parce que c'est un film qui a été censuré dans plus de 30 pays dans le monde. Donc vraiment qui a fait un tollé énorme, notamment dû à sa violence bien craspec, on va dire. Ouais. Des scènes assez...
assez dégueu, quoi, où il montre tout. Et puis bah pareil, des meurtres d'animaux, quoi. Bah là, pour le coup, celui-là, vraiment, Eli Roth s'en est vachement inspiré. Pour justement le reversement, l'inversement de situation à la fin, quoi, tout ça. Ouais, complètement. Voilà, il y a quand même des scènes assez on va dire assez choquantes. Bon, voilà, quoi. On va pas vous spoiler, mais si vous êtes un. Si vous voulez vous intéresser un peu au film de Cannibal, soit vous y connaissez pas grand-chose, je pense que celui-ci, ça fait partie des classiques, quoi. Bah complètement. Puis on peut aussi parler de publishing s'amuser à faire des petites phrases comiques sur les jaquettes de DVD. Je sais pas si tu peux nous la lire justement celle-ci, Ah oui. c'était très humoristique quoi. Alors attention, en raison de la nature violente et choquante des images, nous déconseillons fortement aux personnes sensibles et aux mineurs de regarder ce film. Donc voilà, c'était un peu racoleur. C'est pour ça que je l'ai acheté en fait moi à Oui, l'époque. complètement, ouais. Donc voilà Voilà, quoi. c'est ça. Pouvez-vous le supporter? Cannibal Ferox. C'est un bon film, hein. Vraiment celui-là est sympa aussi. Très fun aussi. Voilà, il existe aussi plusieurs versions de ce film-là. Donc, une version censurée. Là, elle n'est pas censurée. Donc, Alors pour continuer avec nos mangeurs d'hommes, donc ce film c'est un petit peu culte, La montagne du dieu cannibale. Donc réalisé par Sergio Martino, donc encore un des grands maîtres du bis italien, hein, qui a notamment réalisé Bah, des westerns ouais, comme super. Manaïa, par Anaïa l'homme exemple. à l'âge, qui est un super western, le post-apo avec 2019 après la chute de New York, ou Atomic Cyborg, Ouais, beaucoup de giallo aussi. la queue du scorpion, voilà, on vous en parlera un peu plus tard. Oui, toutes les couleurs du vice, des films comme ça. Alors, Sergio Martino est toujours vivant, donc il est né en 1938. Donc moi, je le considère comme un des meilleurs faiseurs italiens, je trouve, c'est un des plus doués. Donc voilà. Alors ce film est plutôt réussi, c'est un film qui est un peu violent aussi, mais pareil aussi, qui est un film un petit peu plus d'aventure, je trouve, que de cannibale. Ouais, c'est. Alors du coup, on va parler un petit peu du casting, quand même, qui est intéressant, parce qu'on peut retrouver Ursula Andress, qui est aussi connue pour avoir joué dans les films de la Hammer, ou James Bond aussi, hein, James Bond Girl. Et puis là, c'est un peu curieux, Stacy Keach, quand même, au casting. Ouais, mais Stacy Keach, qui mine de rien, bon, c'est un très grand acteur hollywoodien, notamment un de ses rôles, enfin, incroyables, je trouve, c'est Les flics ne dorment pas la nuit de Richard Fleischer, qui est vraiment un film incroyable de 72, mais qui a quand même eu une période dans les années 80, fin 70-80, un peu dans le bis, quoi, en fait, on peut dire. Parce qu'on le retrouve aussi dans Classe 99. Donc, Oui, c'est ça, avec une superbe coupe mulet ouais. blanche. Voilà, qui est un très très grand acteur, mais qui a aussi su se diversifier, quoi. Enfin, ou alors aller là-haut, dans les films qu'on lui proposait, quoi. C'est ça. Alors, donc pour revenir au casting, on peut aussi parler de Claudio Castagnelli, un acteur italien, moi je l'appelle le sosie Christophe Lemaire, hein, je trouve qu'il y ressemble vraiment. Donc qui joue dans beaucoup de films de Sergio Martino, notamment le Continent des hommes poissons, ou le dernier film aussi, Atomic Cyborg, où malheureusement il est mort dans un accident d'hélicoptère sur le tournage du film. C'est un acteur qui était assez doué, assez bon, et qui a le rôle principal dans un film que j'aime beaucoup de Martino aussi, que le Continent des hommes poissons, je trouve justement. Il joue très bien dedans. Alors pour parler du film, on peut dire que le film a été interdit au Royaume-Uni, qui faisait partie des Vidéo Nasties. Alors pour parler un peu de ça, c'était une liste de films, je crois que c'était une vingtaine de films, je crois, une trentaine de films, voilà, qui étaient interdits Ouais, juste par simple plus de 30. réputation en fait. Donc on peut parler, il y avait par exemple Anthropophagus de Joe D'Amato, La Guimauve Ouais, Vivante de Jean bah Rollin, donc là on voit pas trop pourquoi, je pense qu'ils n'ont pas dû voir le film. là. Mondo Cannibale de Jess Franco, donc voilà. Ouais, plein d'autres films. Bon, il y en a, on peut dire que c'est un petit un séminoïde, comme je disais tout à l'heure. Donc, Massacre à la tronçonneuse, je crois aussi. ouais. Je crois aussi Maniaque aussi. Enfin, allez voir la liste, c'est assez curieux. Donc les Anglais ont pu voir le film, en tout cas légalement, qu'en 2001 quand même. Hein. Pourtant, c'est pas non plus le plus. Voilà quoi. Non, non, non. Pourtant c'est un film de 78, hein, donc voilà. Donc c'est un film sympathique, avec beaucoup de bonus. Donc des interviews de Sergio Martino, voilà, des gens qui ont travaillé sur le film. Donc c'est un film vraiment sympa, franchement. Pas trop gore non plus, mais il y a quelques meurtres d'animaux, mais ça reste supportable. Voilà. Dans la même édition aussi, il y a Amazonia, l'esclave blanche, un film réalisé par Mario Gariazzo et scénarisé par Franco Prosperi. Donc, c'est notamment le réalisateur de la maison au bout de la plage, ou au fond, au bout de la plage, ou sur la plage, voilà ça, qui est un Rape and Revenge plutôt correct hein, d'ailleurs, qui est sorti chez Oui, puis il a Artus. scénarisé Hercule contre les vampires aussi, des choses comme ça. Surtout connu pour être scénariste. Donc voilà, bon, on va dire c'est un film de cannibale de plus, il n'y a pas non plus.
Non, mais un film d'aventure aussi, un peu, mine de rien aussi. Hein, bon. Voilà, on vous conseille si vous êtes bah, pareil aussi, si vous voulez regarder le plus de films de cannibales possible, celui-ci est, bah, est sorti quoi. Donc, voilà. Donc là, on va vous parler d'un film culte, Le Dernier Monde Cannibale, donc de Ruggero Deodato. Alors, avant de parler du film, on va revenir quand même sur la carrière de Monsieur Cannibale, hein, son surnom. Donc voilà, qui est souvent à tort, justement, on en parlait tout à l'heure, reconnu comme l'inventeur du film des cannibales. Ruggero Deodato est né en 1939, il est toujours vivant. Donc il a commencé sa carrière en étant assistant réalisateur de Rossellini, quand même, et puis de Sergio Corbucci, notamment sur Django. Donc voilà, c'est quand même pas rien. Bon, après, il a commencé voilà, à réaliser des films vers la moitié des années 70, C'est ça. quelques giallos, des thrillers, des choses comme ça. Et puis après, à partir des années fin 70, là, il est arrivé plus vers le bis pur et dur, donc les films de cannibales. Donc celui-ci, après il y a Voilà, Cannibal Holocaust qui est vraiment. sont plus connus, je pense. Voilà, qui lui a mis d'ailleurs une réputation assez, assez dure à porter, on va dire. Et qui est quand même, je pense, un des films bis italiens les plus connus. Les plus connus, et puis peut-être hein, aussi un des meilleurs, hein, je pense, hein, je pense qu'on peut le dire, et un des plus grands films de cannibale, quand même, jamais réalisé. Et après, voilà, il a fait d'autres films aussi intéressants, on peut citer La Jungle Blanche. Moi, Oui. je vous conseille pas mal, d'ailleurs, c'est un film. Alors, il n'y a pas de cannibale, mais je crois qu'il n'y a pas de cannibale. Mais par contre, c'est un film qui est sur les trafiquants de drogue, et le casting est vachement cool, parce qu'il y a Richard Lynch, John Steiner, et Michael Berryman. Et, enfin, et plein d'autres aussi. Enfin, il y en a. Karen Black aussi. C'est un film assez sympa, qui est sorti en 85. Voilà. Et aussi, il a fait un film, une sorte de simili de Conan, qui s'appelle The Barbarians, qui est un film incroyable, moi je vous conseille, avec des frères jumeaux bodybuilders, mais qui ne savaient absolument pas jouer. Alors, ça donne un côté assez ridicule au truc. Enfin, voilà, mais le film est sympa, il y a beaucoup de budget, je trouve. Et pareil, il y a Michael Berryman, Richard Lynch. Donc, ouais, il prend toujours un peu les mêmes acteurs. Ouais, puis après il a fait aussi il a Revenge avec La Maison au fond du Ouais, parc. aussi, oui. On en parlera aussi, qui est un film qui a fait un peu couler d'encre aussi. Le post-apo aussi, Le Prédateur du futur, qui est un bon post-apo qui va être édité, enfin qui va Ouais. être édité tout court par Pulse Vidéo. On peut Voilà, puis un aussi, peu de voilà. slasher body count aussi en 86. Oui, c'est ça. Voilà, mais quelques films comme ça. Hein. Ouais, on vous conseille de regarder ça finement. C'est un réalisateur qui est jamais ennuyant, je trouve. Donc, Non. voilà. Non, mais puis là, voilà, il a. Eli Roth lui a rendu hommage assez récemment aussi, donc justement avec Green Inferno, où voilà, il le cite à la fin dans le générique. Voilà. Il joue aussi dans Hostel 2, où il joue justement un cannibale avec une scène mémorable qui m'a vraiment traumatisé, moi, où il est en train de bouffer un mec. Enfin bref, c'est assez gore, c'est sympa quoi. Alors pour revenir à nos petits cannibales, donc Le Dernier Monde Cannibale de Ruggero Deodato. Donc là encore une petite phrase derrière, avertissement, ce film contient des scènes de nudité, de cruauté animale et de barbarie. Donc c'est assez marrant. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Alors du coup, donc c'est un film, donc voilà, là il y a toute la petite couleur. Avant Cannibal Holocaust, il y avait Le Dernier Monde Cannibale. Donc un film qui est sorti en 1977. Alors celui-là, vraiment, là par contre, il n'y a rien de fun comme dans Cannibal Ferox ou autre. Là c'est vraiment malsain, je trouve. Ouais, vraiment, ouais, vraiment poisseux comme film, très réaliste au final, avec limite un côté un peu, bon, on va pas dire documentaire, mais il y a un côté quand même qui fait, voilà, un film, ça fait un survival en fait, hein. Oui, c'est ça. Donc, ouais. Interdit au moins de 18 ans pendant très longtemps aussi. Vraiment, aussi, ils ouvrent un crocodile et tout ça. Bon, ça, c'est un peu crado. Hein. Là, pour les gens qui sont un peu sensibles, bon, c'est. Ah ouais, celui-là est vraiment vachement bien, vachement. Enfin, voilà, il fait réaliste et puis nous, on rentre très facilement dans le film, quoi. On y croit. Bon, oui, complètement, là, c'est. Donc au niveau du casting, on retrouve aussi les deux, Ivan Rassimov quand même et puis Mémélaï encore. Hein, donc voilà, ils sont toujours là. Donc ouais, celui-là, on vous le conseille peut-être même si vous. Vous n'êtes pas un grand grand fan de Cannibal Holocaust, peut-être essayer de regarder celui-là et peut-être qu'il vous plaira plus. Parce qu'il y a moins de. Il y a moins le côté politique en fait, là, c'est purement un film de survival, quoi, dans la jungle. Beaucoup.
pour enchaîner avec ce film, Massacre dans la vallée des dinosaures, donc de Michele Massimo Tarantini, pas Tarantino, ne pas confondre. Donc c'est un réalisateur qui est pas un des plus connus, hein, qui est surtout connu pour avoir fait des comédies un peu italiennes, quoi. Voilà, donc je crois que c'est un de ses seuls films d'horreur, en fait. Hein. Donc voilà, c'est plus. Alors ça, pour moi, je le considère plus comme un film d'aventure, en fait, celui-ci. Donc il n'y a pas de dinosaures. Hein. Qu'on soit clair, hein. Ouais, donc c'est plus, ouais, un film d'aventure qui a été souvent appelé Cannibal Ferox 2. Qui n'a rien à voir, mais bon, ça c'est les titres de sortie, notamment en Allemagne, je crois. Donc voilà, c'est un film qui était sympathique, et puis le doublage français est juste très savoureux. Donc, Oui, voilà, ça se regarde bien, quoi. Puis les phrases, toujours, vous verrez ce que vous n'auriez jamais imaginé voir, quoi. Bon, ouais, c'est un film plutôt sympathique, celui-là. oui, puis on peut noter aussi la musique de Fabio Frizzi aussi. Voilà. Donc voilà, pour terminer, on va revenir sur un réalisateur que j'aime beaucoup, Joe D'Amato, avec un des deux seuls films qui ont été édités de lui chez No Publishing, donc Emmanuel et les derniers cannibales, appelé en France Viol sous les tropiques, donc tout un programme. Donc là aussi, une magnifique phrase d'accroche derrière. Ce film contient des scènes hautement choquantes où sexe et sang ne font qu'un. Nous déconseillons fortement sa vision aux mineurs, aux personnes sensibles, aux végétariens et membres du clergé. Je trouve que c'est assez drôle, c'est marrant. Alors, du coup, ce film fait partie d'une espèce de saga qui était appelée les Black Emmanuel en Italie. Donc, qui avait été commencé par le Black Emmanuel, qui n'était pas réalisé par D'Amato, puis après d'autres. Emmanuel autour du monde, Black Emmanuel en Amérique. Donc voilà, qui sont des films un peu, un peu mondo, quoi. Voilà, mais qui s'inspire complètement du film de Georges Jacquin qui avait vachement bien marché. Et déjà à l'époque, il avait eu des suites. Sauf qu'ils n'ont pas pu être attaqués parce qu'ils ont juste changé une lettre en Oui, fait. on peut voir Emmanuel avec un seul M. Voilà, c'est ça. Donc, mais voilà. Sauf que ici, la fameuse Black Emmanuel est jouée par une des muses de D'Amato, Laura Gemser. ouais, Laura Gemser. Voilà. Bon, du coup, on peut parler de Laura Gemser, donc, qui a joué dans pas mal de films de D'Amato, notamment dans toutes les Black Emmanuel. Elle a joué Black Mamba, ouais, Caligula, la véritable histoire. ouais. Black Mamba, moi je pensais que Jacques Palance. Oui, c'est ça. Ouais. Qui est connu aussi en France où. Je sais plus comment c'est en France, mais. Emmanuel Néra, surtout. Ah ouais. Donc voilà, qui est une superbe actrice, très très belle, qui a fini sa carrière en faisant des costumes Ouais. pour D'Amato, et puis aussi pour Troll 2, où elle Ouais, est connue notamment, pour ouais. avoir fait les petits gobelins. Alors, dans ce film, on peut aussi parler de Gabriele Tinti, aussi, qui est un acteur qu'on voit beaucoup chez D'Amato, donc qui était le mari de Laura Gemser dans la vraie vie. Et d'ailleurs, elle avait arrêté le cinéma quand son mari est mort, à la fin des années 80. C'est ça. Alors, Gabriele Tinti, on voit dans plein de films, notamment La Saignée de Claude Mulot. On voit aussi dans le film de Gérard Rouy avec La Folie des Grandeurs, il joue dedans. Donc voilà, beaucoup de bis et de films un peu plus classiques. Donc c'est un acteur qui a vraiment une gueule aussi. Ouais, particulière. Et puis aussi un acteur aussi que j'aime bien, qui a une tronche aussi, un Irlandais, je crois, c'est Donald O'Brien. Donc on a vu dans Manaïa, 2072, Les Mercenaires du Futur, 2020, Texas Gladiators, voilà, dans plein de films comme ça. Donc c'est un acteur qui a une bonne gueule. Alors moi je trouve que c'est le moins bon Black Emmanuel, je trouve celui-là. Bon. Puis ça se voit que c'est tourné dans un parc en Italie, quoi. C'est pas. Bon. C'est pas. Oui, mais ouais, c'est un film qui ne sait pas trop sur quel pied danser en fait, parce que Black Emmanuel, ça a toujours été un personnage de journaliste en fait, qui se sert beaucoup de ses charmes pour avoir des scoops ou des trucs comme ça, Oui. qui n'hésite pas à coucher, on va dire. Très, Hein. très féministe, Ouais, bah, oui, parce qu'elle est libre, d'un oui. côté, elle Oui, fait ce bien qu'elle sûr. veut, on la Oui. force pas. Hein. Donc voilà, et celui-ci en fait, c'est pas. S'il veut faire vraiment un film érotique, un film de cannibale, alors du coup ça fait un mélange avec un peu tout dedans et c'est vrai que c'est un Oui, et puis c'est un peu. peu ennuyeux, je trouve. Ouais. C'est pas un des meilleurs films d'Amato. Voilà. Puis Bah. on peut dire qu'il a été réédité aussi récemment chez Artus. Voilà, et donc avec un bonus de David Didlot. Oui. Et il a été aussi édité dans une petite édition plus compacte chez Mad Movie. Voilà. À moins cher du coup. Vu Voilà. qu'il n'y a pas les bonus en fait. Bon, allez, ça va voir si vous êtes fan de D'Amato, etc. Oui, de Laura Gemser et de films de cannibales, allez-y. Hein, Bah, du coup, donc, là, on va parler d'un film qui n'est pas vraiment un film de cannibale, mais c'est le deuxième film édité de Joe voilà, on D'Amato. s'éloigne un peu de la forêt Voilà. amazonienne, Oui. là. Là, on sera plus du côté, je crois que c'est en Autriche. Donc, Blue Holocaust, un film qu'on avait passé il y a un peu plus de 2 ans aussi, qui est considéré comme
un des films les plus connus d'Amato, hein, donc on va en reparler pendant des heures. Notre ami Sébastien Guiraud l'avait fait quand il était venu. Donc c'est un film voilà, qui parle d'un jeune homme qui perd sa fiancée, en fait. Il est taxidermiste et il l'empaille, quoi. Voilà, c'est ça. Une espèce de version Roméo Juliette un peu trash, un peu malsaine. Donc voilà, c'est un film que moi j'aime bien, hein, franchement, qui est bien crado aussi, là, ouais, à souhait, quoi. Donc on retrouve Franck Astopi, qui a joué dans L'autre enfer de Bruno Mattei, Cynthia Morirale, qui est une très très belle femme qu'on a vue dans L'au-delà. C'est un rôle de Stendhal aussi, de Dario Argento. Ouais. Donc voilà, c'est un film... Ouais, puis avec une très très belle musique de Goblin aussi, Goblin, qui... Ouais. Qui fait un coup de piano et qui fait vraiment un décalage particulier avec la violence des images, quoi, et qui donne aussi un côté romantique un peu au film, quand Oui, même. On oui. y croit un peu. Donc, ouais, ça... On peut aussi dire une musique qui a été piquée par Bruno Mattei Oui, aussi, pour L'autre enfer aussi. Oui. Donc voilà, Blue Holocaust 100% boyau. C'est écrit derrière. Donc, allez-y, celui-là, c'est un. Valeur sûre. Puis ouais, ça, c'est trouvable. Un des très bons d'Amato. Trouvable dans les caches. Où ça se trouve. À moindre coût. Alors là, on va enchaîner avec quelques films dits plutôt d'aventure, en fait. Donc, il y en a eu quelques-uns. Donc là, on a choisi quatre films. Donc, on va commencer avec un film que j'ai adoré, absolument, à l'époque, quand je l'ai vu. C'est le Continent des hommes-poissons. Donc, un film qui a été réalisé en 79 par Sergio Martino. Donc, encore lui. Alors, c'est un film qui s'inspire un peu de l'île du Docteur Moreau, en fait, où ils vont sur une espèce d'île, et en fait, il y a un servant fou qui expérimente des choses sur des êtres humains, en fait. J'en dis pas plus. Donc voilà, donc c'est un film qui est au casting, on peut retrouver Barbara Bach, donc on a pu voir dans James Bond. Elle a aussi vu dans un autre film de Serge Martino, qui est le Grand Alligator. En fait, quasiment tout le casting de ce film est dans le Grand Alligator, en fait. C'est ça qui est assez drôle. On peut aussi parler de Claudio Castinelli, l'habitué de Sergio Martino, qui a joué dans pas mal de ses films. Il là joue le rôle principal. En méchant, on peut retrouver Richard Johnson, donc lui qui joue le docteur dans Zombie 2, qui est un acteur anglais qui est assez, assez bon, je trouve. Puis aussi Joseph Cotten aussi. Ouais, Joseph Cotten, qui est quand même un très très grand acteur américain, qui a commencé notamment. En jouant dans pas mal de films d'Orson Welles, en fait. Donc, quand même, Citizen Kane, La soif du mal, Splendeur d'Homberson, enfin, des choses comme ça. Hein, c'est du grand 7e art, on va dire. Et après, vers la fin de sa carrière, il s'est un peu dirigé vers le cinéma un peu plus bis. Donc, voilà, on le retrouve là. Ouais. On peut situer aussi au casting Mel Ferrer aussi, qui fait encore un petit rôle fin de carrière comme ça. Oui, qui a un peu une carrière un peu qu'on peut comparer à Joseph Cotten, quoi. Donc c'est un film qui a été produit par Luciano Martino, donc le grand frère de Sergio Martino, qui a produit pas mal de ses films, ça aide un peu. Donc voilà. Donc c'est un film qui est vraiment très très plaisant, je trouve, film d'aventure intéressant, bien rythmé. Les bonus sont vraiment très intéressants. Il y a une présentation du film par Sergio Martino et une autre vidéo sur les personnes qui ont fait les effets spéciaux, en fait. Et donc c'est vraiment, vraiment très intéressant. Cool. Elle est aussi avec une jaquette réversible aussi, sur celui-là. Ouais, puis une affiche magnifique de ce film, ouais, d'ailleurs. Ouais. Sinon, un autre film de monstre qui est sorti en 77, donc Tentacule, de Ovidio Gabriel Assonitis. Donc, qui met en scène une pieuvre géante, quoi. Ouais. Alors, le film n'est pas un chef-d'œuvre, clairement pas. Mais par contre, il possède vraiment un casting. Assez fou, en fait, ouais. Assez incroyable pour un film aussi peu connu, quoi, je veux dire. Ouais. Donc, on retrouve quand même John Huston, qui a fait quand même quelques rôles au cinéma, on peut le dire, un petit peu dans le bis, mais aussi, par exemple, dans Chinatown de Polanski, voilà, il joue aussi Le Convoi Sauvage, voilà, des films quand même assez sympas. Sinon, Henry Fonda aussi, quand même, qui est aussi un... Comment dire, très très grand acteur d'Hollywood, quoi. Mais bon. Ouais, qui là joue vraiment toujours un peu dans le même endroit, en fait. Oui, voilà, c'est un peu. Je pense qu'ils ont réussi à avoir des stars, mais du coup, ils demandaient des jours de tournage assez réduits, quoi, pour pas que ça coûte trop cher la production. Sinon, on retrouve aussi Bob Hoskins et Shelley Winter aussi. Donc, voilà, en gros, le casting, enfin, les plus connus, on va dire.
Après, le film reprend vraiment la trame de Dents de la mer, en fait, hein, qui est sortie 2 ans plus tôt, mais sauf que la place du requin, c'est une pieuvre géante, quoi. Alors, c'est vrai que c'est pas un très grand film, mais je trouve que les plans sous-marins sont vraiment cool, hein, par contre. Je trouve que Ouais, c'est c'est. vrai que c'est sympa ça. Ouais. Ouais. Bon, Mais voilà, bon, on c'est vous pas un très bon conseille de film, quoi. Hollywood. Pour revenir à Sonitis, ouais, il est surtout connu pour sa carrière de producteur, en fait. Hein. Il a quand même produit. Il a lancé James Cameron avec Piranha 2. Donc voilà, des choses comme ça. Puis il est aussi devenu dirigeant de la Canon aussi dans les années fin 80, début 90. Donc plutôt un homme d'affaires, plutôt qu'un réalisateur, quoi. Ouais, complètement. Du coup, on va enchaîner avec 2 films sur le même DVD, qui sont des petites pépites aussi. C'est Killer Crocodile. Donc voilà, c'est un film qui est vraiment déjanté, je trouve, avec un crocodile géant. Donc c'est un film qui a été réalisé par un certain Larry Laudman. Donc derrière ce joli pseudonyme se cache le producteur Fabrizio De Angelis, dont on a déjà parlé souvent. Donc là, il a réalisé quelques films dans les années 80, 70-80. Tu peux nous en parler un peu aussi de Fabrizio De Angelis. À la base, c'était surtout, oui, comme tu disais, un gros producteur, donc qui a notamment produit des films de Fulci, donc L'Au-delà, des films comme ça. Gary du Bronx aussi, Ouais, avec voilà, c'est Stellari. ça. Et puis après, il a réalisé aussi quelques films vraiment d'exploitation, hein, on peut le dire, comme celui-là. Tonnerre, par exemple, qui est une sorte de simili de Rambo, avec l'acteur principal qui joue dans Les Guerriers du Oui, Bronx. c'est ça. Et moi, je le trouve plutôt pas mal, franchement, un bon film d'action qui pète dans tous les sens. Bon, voilà, c'est pas un chef-d'œuvre, hein, mais on passe un bon petit moment quoi, devant ce film, quoi. Du coup, donc, ce film réalisé par Fabrizio De Angelis en 89. Donc, que dire à part que c'est un film avec une espèce de crocodile géant en mousse créé par le grand maquilleur Gianetto De Rossi, qui est disparu il y a 2 semaines, qui est mort il y a très très peu de temps, enfin 2 semaines au moment Ouais, du c'est ça, tournage de cette ouais. vidéo. Donc voilà, c'est un très très grand maquilleur hein, qui a réalisé Oui, allez, énormément. vu qu'on en a pris beaucoup, je vais prendre ma petite liste quand même pour vous en citer quelques-uns. Donc 1900 de Bertolucci, Casanova de Fellini, Emmanuel en Amérique, bon, pour le côté plus bis, Zombie 2, Pulsion cannibale de Margariti, L'Au-delà, Piranha 2, Conan le Destructeur, Dune, Rambo 3. L'homme au masque de fer avec Depardieu et DiCaprio. Daylight, aussi avec Stallone, où ils sont bloqués dans Un tunnel. un tunnel. Astérix contre César, quand même. Bon, qui est, je sais plus le réalisateur, mais C'est enfin, Claudie. c'est Claude Zidi, voilà. Et aussi, quand même, Haute Tension en 2003 d'Alexandre Aja. Et bien gore en plus. Et puis voilà, on vous en a cité que quelques-uns, parce que allez voir sa filmographie, c'est incroyable, quoi. Et donc, voilà, On essaiera de faire un petit truc sur lui quand Paix à même. son âme, voilà, et puis peut-être qu'on essaiera de revenir avec ses plus beaux maquillages, les maquillages les plus fous qu'il a pu faire. Donc voilà. Et du coup, sur le même coffret, Bah oui. il y a Killer Crocodile 2. Ils ont eu du mal à trouver en fait qui pouvait réaliser le film. Et bah du Bah oui, coup, parce qu'on peut quand voilà. même dire que du coup, là, on est en 90 pour le 2 et le bis italien était vraiment en Ah bah déclin. oui, C'était complètement. la fin vraiment donc. Donc c'est-à-dire que justement, De Rossi, le maquilleur, s'est proposé pour réaliser le film. On va dire qu'il s'en sort plutôt bien, hein, en Oui, tant que réalisation, c'est marrant, hein, ça passe. franchement. Hein, et bon, ça se voit qu'il n'avait vraiment pas beaucoup de budget pour l'alligator, là, enfin, ou le crocodile. Donc c'est vraiment un crocodile, il est vachement en mousse, quoi. Mais on le voit beaucoup, par On le contre. voit beaucoup, par C'est assez contre. généreux. Ouais. Ouais. Donc voilà, c'est assez fun, hein, comme film. Hein, c'est pas incroyable, mais. Non, mais on peut citer que le compositeur, c'est Ennio Morricone aussi, Ouais, quand quand même. même, hein, c'est pas rien. Voilà quoi.